tout le monde, c'est Chobiti. On se retrouve de nouveau pour notre petit moment d'attrapage de grenouilles et d'attrapage d'insectes. On est toujours sur Kamairu, The Frog Refuge, et on est toujours quelques jours avant la sortie du jeu. Donc, moi je continue, j'ai vu cette petite grenouille que j'attrape, que je mets dans mon Frogodex. Donc pour l'instant, notre objectif c'est d'attraper les Doblex. Et d'ailleurs, toi, t'es pas censé m'attraper des grenouilles ? Assistant. Ah voilà, l'assistant, il a fini. Il m'a collecté 5 chenilles. Et genre, je peux lui demander ça en boucle. Bah c'est cool. Alors, je récolte. Je nourris mes grenouilles. Un Nardinus. Ça, c'est une grenouille qui demande que des mouches. Les mouches, j'en ai plein. Hop, un petit scarabée. C'est pareil, elle demande que des mouches. Les mouches, on en a plein. Oh, celle-là, elle est belle. Je veux pas avoir ce qu'il faut. Oh si, j'ai tout ce qu'il faut, vu qu'il m'a donné plein de chenilles. Alors, par contre, il nous a dit... On va dézoomer un peu. On pouvait fusionner nos mares. Genre, je pense celle-ci. La déplacer, on peut la fusionner. Pas trop. Annuler. Peut-être celle-là. Non, pas trop. Alors, pour l'instant, je la vois effectivement pas, la subtilité. J'ai pas l'impression d'avoir cette possibilité. J'ai bougé un peu trop, mais c'est bon. J'ai peut-être pas tout à fait ce qu'il faut. Ah, on a ce qu'il faut. La zébra plink. Hop, je te prends. J'y vais à fond. On a plein de grenouilles. C'est l'objectif. Et du coup, on a apprivoisé nos grenouilles. Oh, regardez-moi cette grenouille. Elle est adorable. Dirais-moi quoi. Calme, si heureuse. Quel bonheur de pouvoir étudier puis relâcher ces animaux dans leur habitat naturel. On file juste un coup de pouce à la nature. C'est vrai, regarde cette petite papate qui bouge. Oh, je fonds. Toute ressemblance avec la vraie Chobiti est purement... une coïncidence. Nous avons fait une nouvelle rencontre aujourd'hui. John, il a une entreprise de construction dans le coin et aimerait nous aider avec l'ancien moulin du marais. L'ancien moulin du marais, ce machin truc. Ce que vous faites avec le marais, ça me rappelle mon enfance. Alors j'ai bien envie de transformer ce vieux moulin en quelque chose d'utile. Ça serait super, il y a tant de choses qu'on pourrait faire avec les roseaux et les massettes. Je me disais qu'un moulin à papier, ça serait pas mal, non? Avec toutes ces fibres,
Vous pourriez faire des feuilles, des tasses, des planches. Des tasses. À quel moment on fait des tasses avec un moulin à papier? Des tasses en papier mâché? Wow. Eh bien, John, bienvenue. Quand tu es prête, viens me voir au moulin et on fabriquera les premiers gobelets du marais. Ah oui, des gobelets en carton, quoi. Enfin, oui, mais enfin, des tasses. Ok. Petite grenouille. Te nourrir, petite grenouille. Pas grave. Je vais te prendre en photo et te mettre dans mon frogodex. Alors, du coup, lui, il préfère être ici qu'à la ferme. Mec, t'es fermier, hein, t'es censé faire des trucs de fermier. Je crois que je vous ai vu, John et toi, parler d'un jeu concernant les insectes l'autre jour. Ouais, on a fait un petit concours, il s'avère que John est un attrapeur de didiques. Impressionnant, il a un vrai talent de chasseur. Ok. Il est attrapeur de didiques. J'imagine que je pourrais l'avoir en assistant, du coup. C'est ça. Ah oui, ce que moi j'appelle des scarabées, on appelle ça des didiques. Ok. Ok, genre juste comme ça, gratos. Je suis quand même un peu blasé, là, que l'hôtel à insectes, on l'est pas direct, hein. Il va falloir qu'on l'achète, visiblement. Alors, par contre, on peut faire de la nourriture! Comment ça, j'en ai déjà fait les 45 fois précédentes? Ah, mais j'ai besoin d'argent encore! Hop! Et encore un peu de nourriture. Voilà. Non, je vais pas faire autre chose. C'est bien suffisant. D'ailleurs, je peux rezoomer. Hein. Même si du coup, on voit un peu moins les insectes. On peut parler à lui. Hello John, comment ça se fait que tu parles quasiment jamais de ton entreprise de construction? Oh, y a pas grand chose à en dire, c'est une entreprise de construction. Mon fils aîné est en train d'apprendre la direction, c'est pour ça que j'ai pas mal de temps libre. Une entreprise familiale, ça a l'air sympa. Ça l'est. Même si c'est pas toujours facile de lâcher les rênes. Heureusement, j'ai ce vieux moulin à papier pour m'occuper maintenant. Ouais, tu viens squatter pour ta retraite, quoi. Merci le cadeau. On a la petite grenouille Soren. Alors, du coup, je vais vendre tous mes machins. On dirait qu'on a attiré l'attention d'un club amateur de produits de marais. Ils aimeraient avoir certains de nos produits. Mais c'est une super idée, ça! Plus d'argent pour nos grenouilles et le refuge! En fait, ils sont pas très riches. Et ils veulent des trucs vraiment spécifiques. Si on leur donne ce qu'ils veulent, ils nous donneront très peu d'argent, mais de la récompense en échange, de la réputation. Non, mais alors ça... Coucou, bonjour! Alors, j'ai rien, j'aimerais des trucs, là, des trucs super spécifiques, mais en fait, je peux pas te payer. Mais sérieux? Il y a des gens qui acceptent dans la vraie vie. Oh, eh bien, c'est pas inutile. On va voir ce qu'on peut faire. Alors, certains produits peuvent être vendus à bas prix, mais en échange de réputation auprès du club d'amateurs de produits des marais. Le club des amateurs de produits des marais. Ok. Et du coup, on peut... Ok, ils veulent des cartons. Ok. Et moi, je veux un hôtel insecte. Oh,
puis je vais acheter une ruche aussi, si j'ai assez d'argent. Et puis, une petite balancelle. J'ai peut-être cliqué trop vite, en fait, tout à l'heure. Grenouille, une grenouille ! Alors, je vais peut-être bouger ma... Je peux la bouger, voilà. Ma baignoire, on va la bouger là. Qu'est-ce qui me reste? Ouais, on va peut-être le mettre par ici, l'hôtel à insectes. D'ailleurs, je vois que Machine veut nous parler. Cléo, tu sais à quoi je pensais? Peut-être qu'on peut croiser des grenouilles pour obtenir des couleurs devenues très rares. Tu veux dire observer et protéger des espèces uniques dans notre refuge? Ça me paraît être une super idée. Si tu pouvais croiser 5 grenouilles zébras pendant que je termine ces recherches, ça m'aiderait énormément. Ok, donc, il faut que je fasse des gobelets en carton. J'ai pas du tout regardé ce qu'il fallait pour faire les gobelets en carton. Et il faut que je fasse des grenouilles zébras. Ok. Alors, allons voir un petit peu le Frogodex. Les zébras... Effectivement, on voit sur le récapitulatif, sur le tableau de bord, qu'il n'y a que 12% d'apparition des zébras. Et j'en ai trouvé 15%. Ce qui est quand même pas mal. Hein. Donc on en a trouvé quelques-unes. Oh oui, on en a quelques-unes quand même. J'en ai 10 sur 64. Mais en vrai, j'en ai 5. Et bizarrement, il y en a beaucoup des qui sont roses et beaucoup qui sont jaunes. Ben, on va essayer de... On va regarder un petit peu. Là, je vois qu'il y a la petite jauge de l'hôtel à insectes. On va regarder un petit peu à quoi ça sert. Prendre une petite photo ou deux pendant qu'on est là. Hein. Après tout, c'est exactement à ça que ça sert. Oh, mais j'adore comment elles se mettent sur ces chaises. Oh, c'est trop cute. J'ai ce qu'il faut pour une zébra. Ah non, il me manque des trucs là. Des diptyques. Non, je vais commencer à mon ticket de... d'insectes. Celle-là, elle aime juste les mouches. On l'apprivoise. Il me reste... Oh, il me reste... Oh, t'es trop mignonne, toi. Est-ce qu'avec 30 sous, je peux faire quelque chose? Je suis pas certaine. Hein. Celle-là, elle est apprivoisée. Oh. Bah, occupe-toi bien de ta petite grenouille, Soren. Moi, je vais m'occuper de ta petite grenouille virtuelle. Et merci beaucoup d'être passé. Ok, donc... Ça s'est chargé, ça nous a donné des trucs. Voilà, la petite grenouille sereine. Là, j'ai pas ce qu'il faut. J'ai pas ce qu'il faut pour celle-là. Ok, ça va assez vite quand même, cet hôtel à insectes. J'ai peut-être tout intérêt à essayer d'en avoir plus. Pour récolter plus d'insectes. Dans tous les cas, je vais aller de l'autre côté, dans les marais. Parce que on va récolter tout ça pour avoir la thune. Salut Dylan, tout va bien? Oh oui, je regardais les abeilles venir polliniser les fleurs du marécage.
Je me disais que peut-être on pourrait installer des ruches. Des ruches ? Et faire du miel ? Tu penses pouvoir nous aider ? Totalement ! On peut poser deux ruches dans le marais pour commencer. Tu peux les acheter au magasin du refuge. Ouais, bah j'en ai acheté une. Ça tombe bien. Et ça tombe bien, je voulais la poser par ici, donc... Sur le coup, on est complètement d'accord. Hein. Non, c'est grenouille que je voulais. Je me fais avoir à chaque fois, je suis dans l'éditeur et... Du coup, ici... Ici, ils ont fini tous les deux. Sérieusement, je peux les remettre... Ouais, je peux les remettre. Ok, bah... Amusez-vous, les gars. Si ça vous amuse... Alors, voyons ce moule. Oh putain! L'atelier papier. Choisis les produits en papier que tu souhaites fabriquer. Ah, il a l'air super méga heureux, dit là, on est d'accord. En mode, ouais, mais de toute façon, je préfère être chez vous que dans ma ferme. Allez, je regarde pas le tuto. On va avoir un peu de surprise. Ah, je pouvais pas pouvoir en fabriquer 10 d'un coup. Alors. J'imagine que du coup, je prends ça, je les mets voilà, dans le gros machin. Je prends ça, je les mets dans le gros machin. J'appuie sur le bouton. Hop. Et ensuite, qu'est-ce que je fais? Ça voulait pas. Ça voulait pas couper, mais pour faire des gobelets. Faire des boîtes. Des carnets. Ok. Là, pour l'instant, je peux pas faire beaucoup plus. Faut que je récolte. Ah, j'ai ce qu'il faut. Alors, dans les objectifs, on ne perd pas de vue. Il faut que je croise les grenouilles. Ça, j'ai encore rien fait. Les gobelets, il m'en manque un. Et les ruches, il me faut de la thune. Je crois que l'argent va être un peu la ressource rare du jeu. Mais après, je pourrais rajouter un petit peu plus, peut-être. Genre... Si je... rajoute... Ah oui, mais j'ai de la thune pour rien, là. Je me disais si je rajoute des trucs, mais en fait ouais, là j'ai de la thune pour pas les massettes améliorées, rien. Bon ben, on va faire de la thune, hein, c'est pas grave. Et une nouvelle grenouille. Du coup, on fait des bonbons. Ouais, les produits dérivés, ça marche super bien. Allez, là, je vais faire un coup avec de la bouffe pour vendre un peu. Et ensuite, on verra. Pour refaire du papier. Ah, je peux te nourrir. Et du coup... Ouais, vous avez fini. Non, c'est pas la grenouille que je voulais, c'était le... Vends mes gobelets. Mais non! J'avais même pas vu que tu me disais de vendre mes gobelets. Il faut que je les fasse pour les pécos, là. J'ai de vendre mes bonbons, quoi. Je suis obligée de les faire pour mon objectif. Du coup, j'achète une deuxième ruche.
La ruche que je veux. Mais j'ai plus de thunes. Mais sérieusement, c'est déjà tout parti? Ma thune! Ma thune! Qu'est-ce qu'il faut? On attrape des grenouilles. Après tout, pourquoi se priver? Elles ont toutes les petits cœurs, hein, en vrai. Quand on les a apprivoisées, elles ont les petits cœurs. Alors, bon, je suis ici, on va faire les croisements. Allez, on va poser des petites questions à Annabelle. Annabelle, c'est vrai que tu travaillais comme chirurgienne avant de partir à la retraite? Oui, je travaillais dans un grand hôpital de la région. Mais l'étude de la nature a toujours été ma passion. Ça doit être fantastique de comprendre comment les choses fonctionnent, je veux dire, d'un point de vue scientifique. C'est vrai. Et l'étude de la nature et des animaux nous apprend beaucoup de choses sur nous-mêmes. Nous faisons tous partie de la nature qui nous entoure. Alors, il me faut plus d'argent. Quoi? Le croisement, ça tourne, coûte de la thune? Mais tout coûte de la thune. Mon argent. Mon argent. Voilà. J'ai mis les petites ruches. On va pouvoir avoir nos petites ruches. Hey, j'ai vu que tu as installé les deux ruches. Pendant ce temps, j'ai revu mes cours sur l'apiculture. Il y a un plan disponible dans la cabane. Déjà, génial, j'ai tellement hâte de goûter notre propre miel. Top. Alors, pour faire les gobelets... Ouais, je vais pouvoir en faire les gobelets. Top. Top, top, top. On va pouvoir valider cet objectif-là. Alors, j'appuie sur le gros bouton. Et on coupe. Et on a des gobelets. Magique. Je peux faire des... boîte, mais je sais pas ce qu'il faut. Je peux faire des carnets, mais je sais pas ce qu'il faut. Ok. Fait 10 gobelets en carton. Bonjour Cléo, je t'ai vu utiliser le moulin à papier. Tu te débrouilles déjà comme une chef. C'était bien plus amusant que ce que je pensais. Et ça change de la confiture et des bonbons. Ce genre de produit va très bien marcher, j'en suis sûre. D'ailleurs, j'ai croisé Anita, la mère. On a reparlé de cet endroit. Bon, j'ai un peu insisté, mais elle semblait intéressée. Pour de vrai, si elle pouvait nous soutenir, ça changerait beaucoup de choses. Merci, John. Alors, du coup, il faut impressionner la mère et obtenir un score de 40%. Ok. Déjà, on va collecter ici et là. Ouais, on va continuer avec les chenilles. Il me faut plus d'argent. Oui, bah oui, c'est vrai que ça coûte de l'argent, ça, en fait. C'est vrai que, mine de rien, il est marqué coût. Donc, en fait, c'est... de l'illimité, mais tant qu'on a les fonds. Et j'ai plus de fonds. Mais cette fois-ci, je vais pouvoir les vendre, les gobelets.
Une petite zébra. Ah, on peut la capturer. Une petite doblex. Alors, il nous a dit qu'il y avait le plan qui était disponible dans la cabane. Sauf qu'il faudra la payer, hein, je suis pas dupe. Mais du coup, j'imagine qu'on va pouvoir vendre nos gobelets. C'est ça, on peut vendre nos gobelets. Le club de marais, ce qu'il voulait, c'était des cartons. Voilà. Ça me fait un petit peu d'argent. Ce qui veut dire qu'on va pouvoir faire les croisements. Alors. Vous voulez des croisements de zébras, si je ne m'abuse. Journal. Croise 5 nouvelles grenouilles zébras. Alors, des zébras. Alors, est-ce que je peux filtrer et dire je veux une zébra? Voilà. Et je veux une zébra. Alors, on veut une zébra. J'ai sérieusement attrapé que des zébras roses et jaunes. Mon argent. Ben, allez. Paf. Hop. Voilà, donc on aura au moins une zébra pink. Je peux peut-être aider un peu. Bah non, tu veux pas. Bon, c'est une grenouille qu'on a déjà. Pas de chance. Mon argent ! On a utilisé mon argent pour rien. Alors, on recommence. Allez. Donc ça sera une grenouille. Banana, banana, banana. Une banana à quoi? Ouais, ça c'est une nouvelle grenouille. Et on peut l'apprivoiser de suite. C'est intéressant. Je vais pas le faire parce que je vais continuer à essayer de... dépenser mes sous dans des grenouilles. Ah bah non, pas une peach banana comme ça, maman. Mon argent. Ah, j'ai une banana silver aussi. Ah, elle va être banana silver. Mon choix est mauvais. Mon choix est mauvais. Mon choix est mauvais. Tous les coups, ça va se retrouver d'être une... Ah, quoique je peux peut-être faire une silver silver. Ce qui est pour vous. Mais c'est une nouvelle grenouille. Voilà. Elle est grise sur grise. Coucou à l'astre! Allez, on continue à utiliser notre thune.
Non mais j'ai bien compris que tu voulais une zébra, je vais te laisser faire, de toute façon elle va être zébra, le jeu. Oh non, pour une grenouille silver, s'il veut. Alors ce jeu, c'est Kamaeru, A Frog Refuge. Que je me trompe pas dans mes doigts. Voilà, Kamaeru, A Frog Refuge. Je fais rien, ces pauvres grenouilles. Je suis en train de faire des croisements de grenouilles. Je tente désespérément de créer de nouvelles grenouilles. Ah non, mais tu me fais quoi là, je... Ah, à quoi, c'est sympa ça. C'est une nouvelle grenouille. Eh ben pour la peine, je vais utiliser ma nourriture. Hop, je l'apprivoise et je l'appelle Alastre. Et du coup, eh ben tout simplement, ce jeu est un petit jeu où ma thune, j'ai déjà plus de thune. Toute ma thune est partie. Où on a un refuge de grenouilles, avec des jolies petites grenouilles qui viennent et qu'on peut apprivoiser en leur donnant de la nourriture. On peut leur mettre des jolis petits meubles. Ben ouais, on les mange pas. On mange pas vraiment les insectes, nous, mais... On récolte des insectes pour que les grenouilles soient contentes. J'ai ce qu'il faut. Et on les met dans le Frogodex. Où on attrape des grenouilles. Et du coup, tout à l'heure, je faisais des croisements de grenouilles. Et là, du coup, on va continuer l'histoire. Cléo, j'ai trouvé comment croiser des grenouilles pour obtenir des couleurs rares. J'en ai pas douté une seconde, Annabelle. C'est fantastique. Nouvelle grenouille. Il suffit de combiner les bonnes couleurs après avoir croisé les grenouilles pour découvrir de nouvelles couleurs. Mais oui, bien sûr. C'est évident. Je vais essayer dès que possible. Merci beaucoup, Bigadin. D'ailleurs, je crois qu'on avait mis une frogo, Bigadin. Est-ce qu'on peut la retrouver? Est-ce qu'on peut retrouver nos grenouilles par nom? J'ai pas l'impression, bah tant pis. Merci beaucoup, Bigadin, d'être passé. Non, non, je fais pas des expérimentations cheloues. Ça me fait plaisir en tout cas, Bigadin. Bah, j'ai plein de choses à récolter par ici. J'imagine que je peux récupérer ça. J'ai plus de thunes, donc je vais pas relancer. J'ai pas de thune pour le miel. Alors, les autres, là, ils voulaient des boîtes. On va pouvoir en faire quelques-unes. Puisque, bien évidemment, on peut faire du papier, hein, c'est tellement évident. Je les enferme pas dans les boîtes, je fais du papier à base de roseaux et de massettes et de baies. Est-ce que ça vaut le coup de faire des carnets? On va dire que oui.
fait des carnets. Ça va nous faire un peu de thunes. On attrape la petite mouche. Et du coup... Ah oui, mais non, mais tant que j'ai pas appris faire du miel, je peux faire que de la confiture. Je vais faire de la peau de confiture pour avoir un peu d'argent. C'est un peu le nerf de la guerre, l'argent, quand même. C'est pas gentil avec nous. Voilà. Hop, une nouvelle petite grenouille. Je prends ça parce que ça c'est cool. Et je prends ça parce que ça c'est cool. Et on va vendre un peu. Avant de vendre. Oui, il ne faut pas que je fasse tout vendre. Il faut que je fasse vendre à l'unité. Je veux vendre ça. Je veux vendre ça. Mais d'ailleurs, non, je voulais pas sortir. Je voulais acheter... Non, la techno pour avoir du miel. La techno pour avoir du miel, elle est sur l'autre écran. Ici, on a des petites grenouilles. Hop. Je leur donne des mouches. Tout le monde sait que les grenouilles aiment des mouches. Devrait peut-être rajouter des petits trucs. Oh, une zébra banana banana. Banana nanana. Mais je vais quand même acheter ma techno d'abord. Alors, on va acheter la technologie pour avoir le miel. Je vais aussi prendre la technologie pour avoir les baies plus plus. Et les roseaux plus plus. J'aimerais bien avoir les massettes plus plus aussi, mais là, ma thune, ça s'est un peu cassé la figure. Donc... Eh oui, mais sauf qu'il faut de la thune aussi pour planter. Ah, de la thune, ma thune. J'ai pas ce qu'il faut pour attraper celle-là. Je vais quand même la mettre dans le Frogodex en prenant une petite photo. On attrape la petite chenille ici, la petite chenille là. Ok, et du coup, j'ai acheté la technologie, donc les ruches se mettent à faire du miel. Faudrait vendre les mouches. Ah, je commence à plus en avoir tant que ça, des mouches. Mine de rien, à force de les donner, tu vois, à chaque grenouille que je croise, à raison de 4 par grenouille... Ça part vite. Et je chope du miel. Qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire du miel? Ah, je peux pas nourrir celle-là. Dommage. C'est l'odeur du cygne qui attire les mouches. Mais non, c'est pas l'odeur du cygne. Il est pas là, le cygne. Enfin si, il y a une grenouille qui s'appelle le cygne, mais... Ça n'a pas de rapport. On va faire des boîtes. Parce qu'il m'en manquait. Pour les glandus du club amateur de... De produits du marais. Et je peux faire... J'arrive pas à savoir qu'est-ce qui va être le plus rentable entre les gobelets. Les carnets, faudrait que je regarde au prix. Oui, ben justement, il n'est pas là. Le squat, le PC du cygne. Donc il ne peut pas y avoir son odeur. Et voilà, on a créé des carnets. Ah, tu crois que c'est Alastre qui a créé le club des amateurs de produits du marais ? Ah, peut-être. Et bien sûr, à chaque fois qu'on...
qu'on capture une grenouille, ça fait monter notre score, hein. C'est aussi pour ça que... Que je les attrape à chaque fois que j'en vois une. Puisque notre score... On peut pas avoir le détail de ce qui nous donne du score. Bon. Donc, le club des amateurs de produits du marais. Coucou les gars! Vous vouliez ça, voilà. J'ai fait 10 caisses. Moi, je peux pas obtenir ma récompense. J'en ai pas fait 10? J'en ai pas fait 10, c'est ça que vous me dites. J'en ai fait... Je peux pas voir mon inventaire. Lol. Il semble en avoir fait 10. Ouais, ça se voit quand je vends, mais c'est quand même un peu con qu'il est pas là. On est quand même... Ah non, je suis qu'à 7. Ah mais oui, chaud la patate, ça me coûte... Oui, mais forcément que j'en ai pas 10, si j'en ai que 7. Ici, ça m'a donné du miel, donc forcément, il me donne pas de récompense. Oh, j'ai pas ce qu'il faut pour celle-là. Ah oui, et il faut que je monte mon bioscore. Eh ben, allons-y. Prends une petite photo de celle-là. Ben, elle est partie. Ouais, tu vois, hop. Je veux pas des gobelets, je veux des boîtes. Ah, j'ai toujours pas ce qu'il faut pour en faire... On va utiliser... Mais non, j'ai que 12 sous. Ah, j'ai que 12 sous, ça me gonfle. Tu peux pas me donner plus de sous quelque part à un moment? Vous me dites que c'est le nerf de la guerre depuis le début. Ben on va attendre doucement que ça monte. Et de toute façon, il faut restaurer ce marais. Alors, est-ce que, par exemple, je peux les vendre? Ça me rend la thune. Ça a l'air pas mal, cette histoire. Ça veut dire que je peux faire ça. Et que je peux, par exemple, acheter la tech qui me permet d'avoir des massettes +++. Et la tech qui me permet d'avoir les mares +++. Non, les massettes +++, c'est un peu trop cher. Oui, je sais, vous avez plus d'eau. Je suis au courant. Mais on y va. Sauf que du coup, j'ai plus de thunes. Vu que j'ai vendu mes machins. Est-ce que j'ai assez pour faire... Ouais, je vais faire 2 boîtes et on va essayer d'en avoir un critique, comme nous dit le signe. On va essayer d'obtenir un petit critique pour avoir une boîte supplémentaire. Hop. Ah, c'est parfait, on a eu un petit critique, on a eu nos petites boîtes supplémentaires, on va aller les vendre aux amateurs de trucs du marais, qui vont surtout nous donner de la réputation au final, mais voilà, effectivement, c'est coché, on obtient notre récompense, et après ils cherchent 9 gobelets. Ok, 9 gobelets, j'ai pas 9 gobelets. Par contre, du coup, je peux vendre mon miel. J'en ai un certain nombre, hein. Je vous laisse faire le calcul à 33 pièces l'unité, combien j'en vends pour
Bah oui, j'en sais, j'en ai 6. Marqué là, j'en ai 6. Voilà. Et les gobelets, on n'en a pas. Oui, c'est écrit, hein. C'est tout à fait écrit, mais alas, tu as complètement raison. Est-ce que je vends ces trucs-là ou est-ce qu'ils vont m'en demander encore? Peut-être suffisant. On va aller s'occuper de notre marais. On récupère ça. Il faudrait que je m'en mette un autre d'hôtel à insectes. C'est quand même bien utile. Et du coup, on est reparti. Hop, top, une top, une top. Bah, je clique sur la taupe et on me dit que les orties sont mauvaises pour le marais, mais on pourra en faire quelque chose si on les réduisait en poudre. Excellente idée! Comme ça, on restaure la zone et on peut proposer de la poudre d'ortie! La poudre d'ortie. Je crois qu'il y a un plan pour un moulin à ortie dans la cabane du marais. Tu devrais aller voir. Un moulin à ortie. Alors si quelqu'un sait à quoi ça sert un moulin à ortie et de la poudre d'ortie, personnellement, je ne sais pas. Alors du coup, ah oui, du coup j'ai un petit peu tout débloqué. Enfin tout débloqué, pas débloqué, mais on achète ça. Je vais peut-être acheter une petite mare de plus ou pas. En même temps, c'est tentant parce que ça veut dire que si j'achète des baies plus plus et des massettes plus plus et des roseaux plus plus. Allez, j'en prends un. Et une mare. Et je vends tout ça. Il voulait pas. Ah oui, il a un petit peu bugué. Il m'a perdu mon menu. Ah oui, mon menu là. C'est parti. Donc, on a acheté des mares plus plus. Plus plus, plus plus. Ou pas spécialement plus plus. Ah, petite question. Est-ce que je peux. On a dit qu'on pouvait les fusionner, les mares. Ouais. J'ai dit que je vendais mes baies. Tant pis, ça va mettre un petit bout de temps à repousser. Pour mettre des baies plus plus. Tout déplacer. Ah, je peux les supprimer. Ce qui est pas ouf. Ok. Je n'ai pas fait gaffe si ça me donnait de l'argent de le supprimer. C'est pareil, on va mettre des petites massettes plus plus. Non, ça c'est des roseaux plus plus. Hop. Il y a du petit miel ici. Là, on remet une mare. Ah! Ici, j'aurai une fusion de mare. Ben, allons-y. Oh, cool! Et j'ai plus de thunes. Ma thune! Je peux plus remettre des gros roseaux, du coup. Ma thune, où est passée ma thune? Qui m'a piqué ma thune encore? Oh bah, avec tout ce que j'ai en baie, je crois qu'on va faire de la confiture, on va pas se poser de questions. C'est un peu disproportionné du coup. Voilà, on va faire de la confiture, en veux-tu? En voilà!
Et les gobelets, ça demande ça, je peux en faire. Ouf. Autant attendre un petit peu. Le miel, c'est quand même vachement rentable. On en posera peut-être d'autres des ruches. Alors, je vends. Je vends toute ma confiture. Je vends ça. Les clubs de marins. Ouais, c'est les... C'est les produits du moulin qui veulent. Voilà. Avec tout cet argent, on devrait pouvoir déjà s'en sortir un petit peu. Continuons à tester des trucs. Zut. Ensuite, on met les roseaux. Les roseaux, j'ai un peu tout enlevé. Hop. Je vais les mettre comme ça. On valide. Je les tourne. Je les mets là. Ça va un peu cacher mon décor. Pas très grave, j'ai du miel. Je vais mettre un autre gros buisson de baie. Je vais en mettre un en haut aussi. Et on va aller un peu voir notre score. Alors, notre score de biodiversité, il faudrait un petit peu plus de ça, et du coup sinon bah on est toujours un peu bas, c'est-à-dire qu'on est pas mal en biodiversité, mais le bioscope il monte très doucement. Et ben on va s'en sortir, c'était pas grave. Hop, on rajoute ça. Allez, là. Et c'est vrai qu'au final par rapport au nombre de possibilités de la zone, j'ai pas planté grand chose. Et j'ai plus de thunes. Miel, des insectes. Pas grand chose à récolter. Eh ben, ça va se passer tranquillement. Une libellule, une autre libellule. Un petit scarabée. Des petites grenouilles. Des grenouilles léopards. Pas sûr qu'on en ait déjà vu des grenouilles léopards. On en a eu des léopards. On va aller voir dans le Frogodex. Alors, le Frogodex. Effectivement, on a que pour l'instant 10% dans les léopards. On en a trouvé 7. On en a trouvé 7. Et on en a apprivoisé 3. Effectivement, c'est pas ouf. Donc, je suis dézoomé au max, c'est-à-dire qu'on voit tout le monde.
Celle-là, elle a pas de petit cœur. Je t'attrape. Les ressources montent tranquillement. Ça va peut-être pour me permettre de faire. Eh ben, tout simplement. Les petits gobelets pour nos amateurs de gobelets. Hop. Et une de plus. Ah, je commence à être un peu short. Ici. Alors, du coup, bah oui, du coup, j'ai planté plein de trucs. Donc, on est de nouveau plus équilibré. Sauf que, bien évidemment, je n'ai pas un pet d'argent. L'argent, toujours l'argent. C'est pas évident hein, de réussir à équilibrer la chose pour pouvoir avoir un bioscore. Un bioscore sympathique. Bon, par contre, là, avec les miels que j'ai récoltés, est-ce qu'ils s'affichent dans mon stockage? Non. C'est comme les papiers, là, et les confitures et... Ah, j'ai ce qu'il faut! Mais je pense que, vu tout ce qu'on a attrapé, on va pouvoir se permettre déjà de faire nos gobelets. Utile, est-ce que je ferais pas mieux plutôt de faire quelque chose qui se mange? J'en sais rien. Bah, écoutez, je vais faire des cœurs de massette. Un petit peu d'argent. C'est toujours utile un peu d'argent. Ah, la grenouille a disparu! Voir. Petite grenouille. J'ai pas ce qu'il faut. J'ai pas ce qu'il faut pour la nourrir. Maintenant, il y avait quoi dedans? Il y avait pas d'insectes comme ça. Alors, vendons nos machins. Est-ce que ça serait plus rentable de les faire un par un? Oui, sans doute, effectivement, comme tu dis, avec le... Le mini-jeu qu'en donne un de plus à chaque fois. Je peux pas attraper la jolie grenouille. Je veux attraper la jolie grenouille. Faudra que je peuple aussi un petit peu plus ici pour qu'on ait un petit peu plus de choses. Mais on va essayer d'équilibrer un petit peu ici. Alors, on a dit... on est à 10 en marre, il faut 2 de plus. Je vais y aller un par. Donc 2 marres de plus.
Et là, j'avais réussi à les fusionner. J'avais fait quoi comme marre pour les fusionner? Pas une comme ça, mais c'est pas grave. Hop! Donc, normalement, je suis à... Voilà. Ici, il m'en manque 5. D'ailleurs, est-ce que j'ai assez pour acheter les techs? Les techs qui me permettraient de faire 3 ici et 3 là. Et peut-être de faire une grande mare. Allez, claquons la thune. Donc, on a dit 5. 5. Donc, ici c'est 3. Et ici c'est 2. 3 plus 2. C'est censé faire ça. Et ici 9. Donc si on veut arriver à 12, on peut en rajouter 3. Et j'ai plus un pet de thune. Ah oui, je croule sous les mouches aussi. Ce serait effectivement intéressant qu'on puisse vendre les mouches. Pense que je vais faire de la confiture. Du coup, effectivement, peut-être en faire une par une. Je sais que le jeu est chill, mais c'est vrai que du coup ça... Ça rajoute. C'est un petit peu répétitif, on va dire. Allez, vendre tout ça. Ah, hérisson! Hérisson! Je l'ai vu! Hérisson! Une petite grenouille. Une autre petite grenouille. Ah, parfait, j'ai ce qu'il faut. Par contre, je commence à être un petit peu en dèche. De petits scarabées. Les autres là, ils voulaient, je sais plus. Hop, les petits miels. Alors, on vend. Je vends mes confitures. Je vends mon miel. Et Club des Marais, c'est des boîtes qui cherchent. Ok. Et j'ai dit que j'achèterais bien un autre hôtel à insectes. Et puis peut-être une petite déco pour mes petites grenouilles. Un truc qui attire les grenouilles. Ah oui, j'ai fait... Ça part vite, mon argent! Non. Ouh, pile poil.
Je vais pas avoir ce qu'il faut pour celle-là. Ouais. Je vais t'en prendre une petite photo. Comme ça, elle sera au moins dans le Frogodex. Qui est déjà bien. Et du coup, je voulais finir là. Donc il me faut un peu plus de roseaux. On voit bien que ça monte, mais on nous demandait 40%. Et pour l'instant, j'y suis pas. Pas encore. Presque. Mais pas encore. Hop, le petit miel. Le petit miel à droite, le petit miel à gauche. On avait dit des petits. Ah! C'est pas ça que je voulais cliquer sur le. Ok, j'ai plus un pet d'argent de nouveau. Après, je peux aussi, genre, vendre. Des petits roseaux à l'unité. Je vais en mettre. En fait, pas un comme ça. Je vais en mettre deux comme ça. Et j'ai pas d'argent. Sérieusement, mon argent. On a dit, ils veulent des boîtes. Et du coup, on va faire comme. Pour les confitures, on va essayer de faire des petits critiques. Pour avoir des boîtes. C'est un petit peu abusé en fait. Je l'ai loupé. Je l'ai complètement loupé. Je sais plus combien ils en voulaient, des boîtes. Et voilà. Bon, j'ai clairement pas assez. Et j'ai clairement trop de baies. Ouais, je vais faire les 12 confitures d'un coup. J'ai pas la foi d'attendre de faire 12 fois le mini-jeu. Même s'il est très sympathique. Voilà. J'en ai fait qu'une en rab. Toi, je te connais, mais j'ai pas ce qu'il faut pour te nourrir. Et j'oublie pas de poser mon hôtel à insectes. Je vais le poser là. Encore un peu de place, hein. Vendons la confiture, vendons le miel. Ici j'ai des insectes, trop cool. Et retournons s'occuper de notre biodiversité. Mais je vois que l'épisode de VOD est déjà assez énorme. Alors, ben, ce que je vais vous proposer, c'est qu'on arrête la VOD là et qu'on reprenne la suite de l'aventure, eh bien, lors d'un prochain épisode. Pour ceux qui sont en live, eh ben, ne bougez pas, je ne bouge pas. Mais, eh bien, cher VOD, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à laisser un petit pouce, un petit commentaire. Et je vous dis à très vite pour la suite. Bye bye !